Hey, salut tout le monde, c'est Axel Éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour vous montrer les gilets pare-balles qui pourraient vous rendre la vie plus facile, enfin plus résistant en tout cas, ou pourquoi pas être invincible. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, comment devenir plus riche, mais il n'y en a pas beaucoup qui disent comment devenir plus résistant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment devenir plus résistant. En tout cas, on va faire. Déjà, on va aller voir dans Armory. On va aller tout de suite. Donc là, on a deux solutions. Donc le premier à gauche, on n'a pas des tenues. Par contre, si on va à droite, on a des tenues. Donc il y a tenues lourdes. Après chaque DLC, vous avez des tenues. Donc un exemple ici, déjà extermination, vous avez des tenues. Voilà pour les fins du monde. Voilà. Donc moi j'en ai déjà acheté. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez acheter ou pas. Mais bon, après, il faut finir certaines missions pour le faire, pour les avoir déjà, parce qu'il y a de la clé dessus. L'exemple pour moi, pour le casino, j'ai pas fini la totalité. Maintenant, je vais mettre le costume. Donc, le premier, c'est enfin, le costume, les tenues de gilet pare-balles. Donc, je vais aller dans le style. Évidemment, j'ai sauvegardé. Pour moi, le premier que j'ai sauvegardé, c'est pas Cayo Perico, mais Ultime Protection. Donc, celle-là, c'est dans braquage pour sortie de prison ou après, hein, je ne sais plus. Bon, on va tester déjà résistance de celle-là, mais avant, il faut que je m'éloigne de la voiture, parce que si je meurs, ben, ma voiture va être confisquée. C'est pas du tout les buts. Bon, pour provoquer les flics, il faut prendre son arme tranquillement et vous allez voir que ça va marcher et tirer sur les voitures des PNJ, bien sûr. Voilà, hop, allez, toi, ton camion. Désolé pour le camion que tu as acheté à 3000 euros. En plus, il était énervé, il a sorti son arme. Ah, désolé, désolé, c'est moi qui ai cherché. Voilà, on a les flics aux fesses. Venez les flics, venez, venez, c'est pour tester. C'est pour me tester en fait. Je sais que je vais pas rester très très longtemps. Ah, lui il est énervé. Oh, il était énervé, mais malheureusement pour lui, je suis plus armé et beaucoup plus résistant parce que j'en ai un gilet pare-balles ultime. Bon, les flics, ils sont un petit peu loin là, les détentes là. Venez là, je suis en train de massacrer les passants là. Où est-ce que vous êtes là? Montrez-moi encore un camion. Camion. Je sais même pas faire la différence entre un camion et un tracteur. Allez, venez, hop. Voilà, premier tir. Bon, là, je suis déjà touché. Si vous regardez en bas à gauche, je suis déjà touché. Hop. Allez, 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 venez, 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 je vous attends. Hop, voilà, il n'y a plus de pneus, toi. Toi, t'as plus de pneus. Moi, j'attaque seulement ceux qui m'attaquent. Hein. Allez, venez. Ah, je suis déjà touché. Hop. Allez. Allez, montrez-moi comment vous êtes fort. Bon, nous sommes déjà à 3 étoiles. Oh, je viens de prendre le fusil à pompe. Normalement, ça doit être à la moitié déjà. C'est un petit plus résistant que j'ai pensé. Hop. Hop là. J'enchaîne tout le monde. Je suis invincible. Invincible man. Je m'approche exprès d'eux hein, pour voir leur. Voilà, oui, c'est vrai qu'il est résistant. Mais malheureusement, sur le côté, c'est pas protégé. Je pense que c'est pour ça que je prends des dégâts. Mais sinon, s'il y avait des protections aussi sur le côté, je pense que je deviens plus invincible. Hop, même sur le pantalon, hein, ce serait bien s'il y a des trucs protection sur les pantalons. Hop, même le masque, je pense que c'est pas plus résistant que ça. Je sens que je vais mourir. Oh, j'ai tenu presque une minute. Voilà, pour cette protection ultime, on va changer de protection style. Ensuite,
Hop, ok, tenue lourde. On va tester tenue lourde. Donc là, nous sommes sur le deuxième test pour voir combien de temps je peux résister. Mais par contre, ils m'ont fait spawner un peu en catastrophe, je pourrais dire. Et je peux pas monter ici. Je vais prendre énormément de temps pour remonter. Allez, 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 allez. Je vais tomber dans l'eau. Non, il n'y a pas d'eau ici. Donc ici. Quel côté je peux monter? Je peux monter par là-bas. Allez, hop, 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 on court, on court, on court, on court. Ah, tenue, cette tenue, ça doit être lourd, mais bien sûr, mon personnage est super entraîné. Hein. Ça se voit, regardez comment elle court en vitesse de l'éclair. Évidemment, je spamme sur X. Hein. Je suis en train de spammer. J'ai mal au doigt parce que je spamme. Allez, hop, je suis presque arrivé. Je vais embêter encore les PNJ. Heureusement qu'ils sont, ils sont à plusieurs. Ah, je suis tombé. Non, pas encore sur la route. Mais je suis presque. Allez, allez, allez. Ah, un petit peu de côte, c'est rien du tout. Hop, on est remonté. Allez, venez les PNJ. Hop, on va tirer sur les roues. Pareil que tout à l'heure. Hop, allez. Vas-y. Ah, lui, il est descendu. Lui, il est énervé. Il est énervé. Il veut me tuer. Derrière son tracteur, là. Ils sont énervés, les tracteurs. Hein. Les pilotes des tracteurs, ils sont énervés. Ah, avec son pistolet, il m'a fait déjà un dégât. Donc, le dégât, il est arrivé. Il a traversé. Oh, il a traversé. Non, il n'a pas traversé. C'est bizarre. J'ai pris le tir au-dessus de la torse et sorti. Dans les fesses. Il faut savoir comment ça se fait, hein. Comment ça se fait. Mais par contre, il faut que je provoque un peu plus les flics pour qu'ils soient plus énervés en arrivant. Allez, je provoque encore. Lui, il a hésité de venir. Non, il faut pas hésiter. Il faut passer à côté de moi. Comme ça, je tire les roues. Là, en vrai, je suis en train de gaspiller mes munitions qui coûtent super cher. Oh, je suis touché encore une fois. Ah oui, c'est le gilet. Par contre, ouais, ça tient pas énormément parce que ça traverse, quoi. C'est pas normal que ça traverse comme ça. Les gilets sont pas assez travaillés. Il faut revoir encore. Donc là, je vous rappelle, nous sommes encore avec les gilets pare-balles qui sont tout début. Enfin, les tenues de protection tout début du DLC. C'est pas encore ceux d'après. Hop, voilà. Ça c'est fait. Bon, on va dire, je suis encore résistant. Je prends des balles, mais c'est comme si je prends pas des balles. Je suis déjà à la moitié de ma vie. Hop. Voilà, j'arrive encore à déglinguer pas mal de flics. Je suis à 4. 4 étoiles. Je suis assez résistant là. Je suis plus résistant que tout à l'heure. Mais je sens que je vais mourir. Hop, là j'ai tué combien? Voilà. Hop, allez. Ah, ça y est, les GIGN, ils sont arrivés. Les SWAT. Ah, mais j'ai pas tenu au SWAT là. Bon, encore une fois, j'ai tenu un peu plus longtemps, mais il fallait que je remonte, encore une fois. Mais là, je vais changer de tenue. On va aller sur le tenue de. On va voir. Ensemble, pas Cayo Perico, mais on va essayer de voir Casino. Je pense que là c'est lourd. On a déjà voilà protection Casino. Bon, je vois déjà que protection de Casino ça va pas tenir longtemps parce qu'on n'a pas le casque par rapport au premier qui était qui avait tout, qui avait le casque, qui avait presque les jambières. Et tout ça, mais là on a juste un gilet pare-balles, donc la tête, une fois que c'est touché, c'est mort. Hein. Donc là, il y a encore des voitures de flics ici. Ouais, c'est bon. Combien de temps je vais résister? Hop là, ça c'est bon. Il y en a d'autres, il y a déjà 3 étoiles. Sachant que depuis tout à l'heure, j'avais 0 étoile. Là, j'ai 3 étoiles déjà. On va voir combien de temps je vais résister aux protections. Hop. Là, on a un petit. Le tracteur est toujours là. C'est pas la peine de sortir. Désolé. Hop. Après, oui, désolé pour le PNJ, mais il part pas. Donc,
Après, je tire au hasard et ça touche leur tête et c'est pas de ma faute, quoi. Moi, ce que je provoque, c'est eux. Hop, voilà. Ouais, mais par contre, ouais, ça résiste. C'est un petit peu résistant. Un petit peu résistant, mais encore une fois, ça traverse. Je suis touché en plein cœur. Ça traverse et c'est pas normal que normalement ça devrait traverser au bout de plusieurs tirs. Mais là, j'ai reçu deux ou trois tirs et j'ai déjà du sang. Et je trouve pas ça normal, hein. Normalement, j'ai les pare-balles. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai que quand on prend un bout portant, c'est vrai qu'on est KO, hein. C'est même dans les films, on le voit. Mais là, normalement, ouais, la protection devrait être plus résistante que ça. Là, normalement, je suis déjà mort, hein. Mais bon, ça résiste par rapport au jeu. Mais ça se voit que ça sert vraiment les protections. Ah, il y a les SWAT, il y a les SWAT, il y a les SWAT. Il y a les SWAT, allez. Allez, je les dégomme. Ah, je vais mourir. Hop. Ah, je vais prendre des balles. Et je vais rien comprendre. Ah, ben voilà. Je prends une balle en pleine tête. Je suis mort. Ah, on va dire, ça tient plus que des autres parce que même si j'avais pas de casque, ça tenait quand même. Maintenant, on va faire le dernier, mes amis. Ce sera pour Caio Perico. Voilà, on est juste là. Non, c'est pas Casino. C'est hop, 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 hop. Je me suis trompé. Caio Perico. Donc, Caio Perico, on a le casque, on a le gilet pare-balles, mais par contre, en mode stylé, quoi. En mode stylé, on peut dire. Mais on va voir la résistance de ce tenue de gilet pare-balles. Mais bon, on a juste ce torse et un peu de casque, mais je ne sais pas si ça va tenir très très longtemps. J'espère qu'il y a encore des flics là, comme ça au moins, j'ai pas. Ah, ben il faut que j'attends. Il faut que j'attends encore. Il faut que j'attends encore. Hop, toi, ton pneu. J'ai tiré dans le pneu, il n'est pas énervé lui. Ça va encore. Je sens que je vais encore dépenser beaucoup pour acheter des munitions. Parce que là, je gaspille beaucoup de munitions. Mais c'est pour une bonne cause. Pour tester la résistance des gilets pare-balles. Mais dommage qu'on ne peut pas utiliser dans. J'ai remarqué que dans certaines missions. Dans certaines missions. On peut pas utiliser, hop, lui, oh, il a essayé de me tuer, mais il n'a pas réussi. Dans certaines missions, on peut pas utiliser des gilets pare-balles. Comme les missions principaux, malheureusement, on peut pas utiliser les gilets pare-balles. Moi, j'aurais bien aimé, moi, les utiliser. Si on les achète, c'est pour, encore une fois, je dis encore d'une partie négative parce que, normalement, si on fait des trucs pour débloquer certaines choses, pour devenir plus fort, plus résistant, on va dire, normalement, on devrait les garder en partie en ligne. Mais là, encore une fois, on a l'impression qu'on n'a pas d'amélioration, ce qui est plutôt dommage, parce que les missions, il y en a qui sont très difficiles, hein, qui méritent d'avoir quelques déblocages, des protections pour devenir justement plus résistant pour les missions. Hop, ah, je vais mourir. J'ai pas tenu longtemps là. Hein. Il n'y a pas encore. Ah, si, si. Hop, je vais pas tenir longtemps, malheureusement. Hop, puis un sniper là-haut. On descend. Wow, c'était méchant. On a fait le tour, je crois. Hein. On a fait le tour, mes amis. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-le-moi dans le commentaire hein, lequel était plus stylé déjà d'une en protection et le plus résistant selon vous. Je crois que vous avez regardé hein, en bas à droite pour voir combien de temps il résistait et tout ça avec les balles. Mais je pense que pour avoir vraiment tous les costumes, il faut faire toutes les missions. Moi, en tout cas, il me reste du casino. Du casino, des braquages au casino. Après, il y a d'autres encore hein, à faire. Mais dans tout ça, ouais, j'en ai encore plein, plein, plein encore de braquages à faire. Mais après, une fois que vous l'aviez, mais voilà, vous êtes un petit peu plus résistant. Mais ce que j'espère aussi que dans le futur, on peut utiliser notre propre protection, notre propre véhicule. Je répète encore,
tout le temps. J'espère que ça va se faire entendre un jour. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le like et de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!